Hello! Hello! Hello, comment ça va vous? On est à Grand Biarritz, jour. c'est grand jour, on est dans un endroit luxueux. Nous sommes à Biarritz, à l'espace Bellevue pour le congrès international annuel de l'A3P. Ils nous ont accueillis et ils nous accueillent Très gentiment. très gentiment. On leur dit merci à eux, merci beaucoup à l'A3P de nous accueillir pour essayer de couvrir ces 3 jours, parce que ça dure jusqu'à jeudi midi. Donc il y a des conférences, il y a des exposants qui viennent présenter leurs produits, discuter, prendre des cafés, ça fait aussi du réseau, etc. Et parce que bah, tout le monde ne peut pas y accéder, même si cette année il y a énormément de monde. Il y a 800 personnes, 800 personnes qui font des confs, qui naviguent à droite à gauche dans Navigue les allées avec la mer, en fait. avec la mer. Et donc pour fêter ça, on va aller faire un peu de surf. Je te laisse ça, vas-y, vas-y, je te file. Ah vas-y, ouais, tu marches comme ça, et et là puis j'y vais, je te ouais. mettrai la musique du professionnel. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, quand vous verrez cette vidéo, on aura fait aussi un live que vous verrez en replay sur la chaîne YouTube. Et on va commencer par aller voir deux personnes qui sont en fait des administratrices de la 3P. Ils vont nous dire un petit peu en deux mots. On fait un coucou là. Salut Internet. Coucou YouTube. Coucou Twitch. Coucou Twitch. Est-ce que vous voyez? Oui, on se regarde en live. Ah ben voilà, exactement. Super, vous êtes en live sur Twitch. Donc évidemment, une très belle ambiance au congrès A3P. Hein. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous nous attendiez? Bah, un petit peu. Vous nous aviez dit d'être là, attendre. Mais non, on était là. Super improvisé en fait. Mais ouais. Je suis Sophie Amadio, je suis vice-présidente fabricant de la 3P. Alors moi, je suis Nathalie Parizeau, je suis aussi fabricante. Et je m'occupe de la 3P Suisse, une entité oui, en plus de... C'est international maintenant. Qu'est-ce qu'il faut tous ces gens dans tous ces pays pour la 3P alors? Eh bien, on vient au rendez-vous incontournable du mois d'octobre. Et donc la 3P, je veux juste faire un peu d'histoire de la 3P, parce que même moi je ne sais pas, ça a été créé il y a longtemps, il y a 30 ans la 3P, c'est ça? Je crois que c'est la 33e édition, hein, c'est ça. L'idée, c'est le réseau. Ouais. C'est le partage des problématiques qu'on peut rencontrer tous les jours, au quotidien, sur nos lignes, dans nos entreprises, avec les fournisseurs qui nous aident, enfin qui sont là aussi pour... On va aller les voir après. Voilà. On a aussi la chance d'accueillir des représentants des autorités réglementaires qui nous permettent aussi de nous calibrer par rapport à ce qu'on fait dans nos usines. Puis demain, si on arrive à se lever tôt, mais on va y arriver, ouais, à 7h30, il y a l'A3P Human qui est une autre... Alors ça, c'est une initiative qu'on a lancée un petit peu en marge des problématiques techniques et du parentéral, mais qui sont toujours en lien quelque part, qui sont plutôt à viser humaine. Une petite pub pour François, parce qu'on a aussi des bien. Illustrations. Ah, oui. C'est quand même super sympa. Un membre du conseil d'administration. Fin... Mais qu'on verra déjà, je pense, à l'atelier. Ça doit être plus animé l'atelier pour les étudiants. Pour les étudiants, oui, parce qu'en fait, c'est aussi l'occasion pour les étudiants, pour les jeunes étudiants, les jeunes démarrants dans la vie professionnelle, de venir, d'apprendre, de connaître, de partager, de voir ce qui se passe avant de démarrer vraiment. Cette année, il y a à peu près 800 personnes au congrès de la 3P, donc entre des conférenciers, entre donc des gens qui vont aller faire les conférences, donc sur les thèmes du mirage ce matin. Là, c'est plutôt la partie annexe 1, assurance de stérilité, microbio, etc. Et donc, c'est des gens qui sont adhérents à la 3P, parce que les gens qui bossent dans des boîtes pharma peuvent adhérer à la 3P. C'est une association, hein. Vous Salut le connaissez forcément. Salut, Cupé Pharma. Salut, comment ça va? C'est notre premier partenaire qui nous a quand même aidé très fortement à améliorer notre qualité sonore, puisqu'ils nous ont offert tout le matériel de son qu'on a étraîné mardi dernier, finalement. Et on est fiers d'être le premier partenaire. Nous, on est spécialisés dans le logiciel, essentiellement. Donc, on a une première activité qui est Calitrace, notre logiciel historique. Ça a été le premier monitoring en France dans la pharma. Comptage particulaire, surpression, température, hygrométrie, plus vitesse d'air, plus d'autres choses autour de ça. Et donc là, c'est Calicheck. Donc ça, là, on retombe dans quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, qui est un produit innovant. Tout ce qui est automatisable est automatisé. Alors, par exemple, nous, on a pris comme cas de figure le contrôle de volume pour du remplissage injectable. Beaucoup travaillent encore avec la balance, l'imprimante à ticket de caisse. Typiquement, nous, on résout ça avec K-Check. La balance, elle est raccordée au réseau. On a un écran qui a priori est à côté de la balance, mais qui pourrait être n'importe où, qui va guider l'opérateur étape par étape. Mais là où vraiment l'IPC par K-Check prend tout son intérêt, c'est quand on a des non-conformités. Là, c'est des situations relativement exceptionnelles. K-Check le guide étape par étape. Et la troisième chose, c'est calibration, mais là, c'est plus du logiciel, c'est un service.
En fait, c'est de la calibration de contenants de particules in situ. On amène la camionnette, elle est température, hygrométrie régulée. On est en condition labo, en fait. C'est un food truck, le food truck de méthodage de comptage des particules. Quoi. Bon, bah, donc, voilà. Merci beaucoup. Mais les gars, merci d'être passés. À votre avis, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tu peux te présenter et qu'est-ce que fait ABE Alliance Bioexpertise? Donc Alliance Bioexpertise, c'est une société qui est basée en Bretagne, dédiée à la microbiologie. Ce que j'en ai dans l'idée, c'est des boîtes de pétri qu'on va lire, qu'on va noter à la main, qu'on va mettre dans une étuve, qu'on va lire, qu'on va remplir dans un cahier, etc. Mais en 2022, c'est peut-être un peu différent, en fait. La boîte de pétri, ça fait 150 ans qu'elle n'a pas changé de forme. Donc on l'utilise. Belle invention, au final, quand même. Très belle invention. Jean Pétri, là, c'est Jean-Michel Pétri, non? Julie Pétri. Et donc effectivement, Pétri, c'est le nom d'un scientifique qui a donné son nom à la boîte. Les règlements qui évoluent, on va de plus en plus vers toujours plus de traçabilité, toujours plus prouver ce qu'on fait dans le pharmaceutique. Et la microbiologie, le laboratoire n'échappe pas à ça, donc on est obligé d'amener de la preuve. Et aujourd'hui, il y a des systèmes, on a de la technologie qui peut être amenée jusque dans les usines pour nous aider à répondre aux exigences de traçabilité. Parce que c'est venu de la FDA d'abord. C'est vrai qu'en Europe, on était plus latent à se faire confiance, à faire confiance à nos techniciens de laboratoire. À leur dire, bon, mais ils ont vu une colonie, c'était que vraiment il y avait une colonie. Ouais. Les Américains sont plus dans l'optique de se dire, on veut la preuve qu'il y avait une colonie. Je vais faire mon producteur de base. Pourquoi est-ce que mes opérateurs doivent double-checker, double-viser, conserver la donnée brute et pas les techniciens de labo. Quoi. Parce que les producteurs, c'est des pirates, alors que la qualité, c'est des gens bien. Donc le drame d'une boîte de pétri, c'est qu'on la prend, on la regarde, on la jette. On jette notre preuve. Et donc, du coup, maintenant, il y a des systèmes où on va mettre notre boîte. Elle va être automatiquement identifiée. Et puis, elle va être lue par un système optique qui va garder la preuve. On associe à ça l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous avez des caméras qui font le taf d'un point de vue technique. On peut mettre de l'intelligence artificielle pour aider à dénombrer, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une, deux, trois, quatre UFC. L'intelligence artificielle est bâtie. Plus on va lui apporter de photos. Et plus ça va l'enrichir, et plus on va être capable de lui dire ça c'est un chat, enfin c'est Google, hein, ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chat. Par contre, même moi je peux découvrir si c'est un chat sur une boîte de pétri, je pense que je le reconnais. Hein. Ouais, mais c'est pas une levure. Ah bah c'est peut-être, oui, c'est ça. Non, bah c'est super, c'est super. Cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment allez-vous? Quelle spontanéité. Chez CG, l'expert de la salle propre. Eh bien, moi je suis Mélie Gratté, chausson maintenant. Et vous avez toujours été commercial pour CG dans votre vie ou? Et non. Et non. Ouais, c'était un peu téléphoné. Ouais, je suis désolé. Comment on devient commercial chez CG finalement? Donc moi personnellement, avant j'étais technicienne de laboratoire. Et donc qu'est-ce qu'il y a comme type de produits ou de choses? On va voir par exemple les chaussettes de salle blanche. Il faut pas les oublier, hein. On pense toujours aux vêtements, tout ça, mais on pense pas aux chaussettes. Évidemment, vous le savez, ceux qui rentrent en zone, etc., ils doivent se mettre en sous-vêtements. Et les chaussettes, on peut pas garder ses chaussettes de ville. Donc il faut changer de chaussettes. La chaussette, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on la regarde de plus près, elle est faite principalement en coton. Et donc le coton, si on le zoome, eh bien on voit plein de petites fibres qui vont un petit peu partout. Elles vont dans la salle planche. Dans l'environnement. Et donc là, pour limiter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le coton. On va mettre du polyester à la place. On refait la même chose, on refait des frottements, pas de particules. Alors ce n'est pas un abat-jour. Il y a déjà toute une partie là qui est ici, où là on est vraiment sur le tissu de salle propre. On va avoir celui-ci, c'est un tissu non tissé. Si on utilise un tissu non tissé sur ces petits trous, ça fait râpe à fromage. Et là, pour peu qu'on fasse un test microbio ou un test particulier qu'on peut faire sous un PSM, on se retrouve avec des particules et on se dit, mince, mon produit, il avait plein de particules. Et en fait, peut-être ça vient de là. Et voilà, on change de tissu. Donc là, typiquement, on va être plutôt sur le tissu qui est juste à côté, qui lui, par contre, est 100% polyester. Donc, c'est comme les chaussettes, hein. On a changé le coton pour mettre du polyester. Et bien là, on change la cellulose pour mettre du polyester. Donc là, il y a 100% de polyester et en plus, on l'a tricoté. Donc un peu comme nos vêtements, on prend deux fils et puis après on tricole jusqu'en bas. Et donc nos petites fibres, on ne peut plus les accrocher là. On ne peut plus les accrocher ici. Par contre, le gros point négatif du polyester, ça reste quand même son absorption. Parce qu'il n'absorbe pas, il l'adsorbe uniquement. Je vais vous donner l'exemple du gâteau parce que je l'aime beaucoup. Par exemple, lorsqu'on va absorber un gâteau, on va manger le gâteau. Et quand on va adsorber le gâteau, on va prendre le gâteau sur la figure. C'est plus l'entarté, voilà. Quoi. Par exemple, on a une étendue, on doit venir essuyer un produit, et bien si on prend ça, on va étaler, mais on ne va jamais l'essuyer. Et donc pour l'essuyer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de tissu, son cousin qui est juste à côté. Où là, en fait, on est toujours sur du polyester, mais par contre, il a deux couches. Et donc, s'il a deux couches,
on va pouvoir se mettre entre les fibres du premier, entre les fibres du second et entre les couches. Et donc forcément, voilà. Et donc du coup, il va absorber beaucoup plus. Et merci beaucoup. Très joli goodies. Hein. Voilà. Cela surtout. Cela surtout, effectivement. Ça, c'est un, voilà, très important, ces goodies-là. Ils font ici, ah, ici, ils ouvrent des huîtres. Ah, ils ouvrent des huîtres. C'est un peu... Quel est le lien entre les huîtres et l'annexe 1? La convivialité. La convivialité. Qui est cette personne? On va interviewer cette personne. Chez qui on est du dos, là, du tout? J'ai l'impression qu'on est chez Initial. Ah. Oui. Nous, on peut vous parler de tenue. On est le cœur essentiel de la lutte contre la contamination. Ouais. Puisque je vous rappelle que facteur humain, c'est 80%. Carrément, oui. OK. Les bactéries, c'est nous qui les avons. Là, vous êtes devant une tenue qui illustre tout le savoir-faire d'Initial Clean Room. Puisque là, il s'agit d'une tenue qui est conçue pour des classes AB. Donc, classe AB, je vous rappelle, c'est des environnements stériles et dans lesquels on doit faire face à deux types de contamination, à la fois particulière et microbiologique. Le concept, puisque nous sommes leaders sur ce type de tenue depuis une vingtaine d'années, puisque cette gamme s'appelle Millénaire, Millénaire parce qu'elle est sortie en l'an 2000. Et on n'a pas peur de dire qu'on a révolutionné en son temps, l'habillage en salle propre, puisque cette tenue, hélas, maintenant est copiée dans le monde entier. L'idée, c'est tout simple, c'est un habillage de haut en bas, avec une combinaison traditionnelle, vous commencez par les jambes, vous devez avoir une gestuelle plus ou moins efficace. Allez Christophe, moins... c'est parti. Mais alors là, non, mais juste entre guillemets, mais moi j'ai été déjà habilité à rentrer en classe C et tout ça. Et il faut surtout pas toucher les bords. Et là, il faut pas toucher les bords. Trouve en équilibre sur une jambe. Eh ben oui, le flamant rose. L'intérêt. Alors, flamant rose, il a une drôle de gueule, votre flamant. On s'est cramé de sujet. Moi, je dirais plutôt hippopotame, mais c'est un avis personnel. Vrai, bon. Classe B, je valide votre proposition. Ah ouais, classe C, c'était hasard. Donc, d'abord, technique habillage par l'eau. L'intérêt, c'est d'abord que la tenue est repliée sur elle-même comme un gant. Et donc, lorsqu'on va la sortir du sachet, on va pouvoir prendre à pleine main la tenue sans aucun risque de contamination, puisque c'est la face interne. Il suffit de savoir enfiler un pullover, puisqu'on va s'habiller de manière naturelle. Ensuite, il reste simplement fermer la fermeture glissaire qui se trouve donc à l'entrejambe. Donc l'intérêt aussi, c'est que sur le buste, aucune ouverture. Moins il y a d'ouverture, mieux c'est. Donc l'intérêt de cette tenue, c'est le mode d'habillage et le fait qu'elle soit intégrale. Et puis elle a évolué dans le temps, et on est arrivé, il y a maintenant 5 ans, à breveter ce système ici, un bloc stérile fait appel à des goggles ou des masques ou des lunettes comme vous voulez. L'inconvénient d'un masque classique comme ceci, c'est le fait qu'il faut le toucher et en théorie, moins on a de contact avec des éléments, moins il y a de risque de contamination. Il faut le désinfecter, le stériliser, le faire pour le réveil. Là, la visière est directement intégrée. L'intérêt, c'est que d'abord, la tenue est prête à l'emploi. Vous remarquerez aussi, surface, c'est environ 40% de volume en plus. Il n'y a plus d'angle mort, quoi. Voilà. Deuxième intérêt, vous êtes tous les deux lunetteux. Enfin, ça n'est pas une injure. Hein. Ah, oui. J'ai beaucoup de respect pour les gens à lunettes. C'est pas terrible. Hein. Là, n'importe quel porteur de lunettes peut utiliser ces tenues. Une innovation n'a d'intérêt que si elle est simple à mettre en œuvre, si elle présente un gap en termes de qualité et aussi une économie. Eh bien, la Clean Vision remplit tout à fait ces conditions-là, pour ne parler que de cette tenue. Cher monsieur, bonjour, pardon. C'est vraiment le président. Le président, à travers toutes ces innovations, non, mais on la gestion des Google, pareil, gestion des Google, je pense que ça a été des écarts à NSM ou audit au moins de comment vous m'assurez que vous gérez vos Google, qui sont désinfectés. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment bien. À bientôt. Alban, la dernière fois qu'on t'a vu, qu'on se voit un peu en dehors quand même, mais... chez Ludo, en live, et là, tu es à Biarritz. Qu'est-ce que tu as fait de beau à Biarritz? Qu'est-ce que tu viens traîner tes guêtres ici? Alors, je vous rassure, on ne mire pas forcément qu'à Biarritz. Hein. Non. Du coup, la 3P, c'est une association, hein, et en fait, j'ai participé à un GIC, un groupe de travail d'intérêt commun. Et ce groupe de travail portait sur le mirage, et du coup, j'ai pu apporter un peu la pierre à l'édifice sur le côté mirage, l'état de l'art du mirage dans le milieu industriel. Beaucoup de textes réglementaires, mais aujourd'hui, pas suffisamment, il reste un flou quand même. Ce qui est bien aussi, c'est que dans les textes, ils commencent à être d'accord sur les textes aussi, entre eux. Hein. Oui, il y a un petit alignement. La chinoise qui est un peu chiante, hein, mais bon. Mais bref, du coup, j'ai participé à ce GIC et ce groupe de travail. On a rédigé un guide qui fait 50 pages, qui est disponible du coup sur la 3P avec vos petits accès, vous pouvez le télécharger.
Donc on a expliqué un peu une grande partie d'un démarrage en mirage automatique pour garantir la validation d'un équipement automatique en faisant l'équivalence, le lien avec le mirage manuel, la référence. Et alors du coup, pourquoi je suis là? D'une, on a présenté hein, quand même hier une partie du guide. Ouais. Ça s'est bien passé alors? Ah, pour une première, 850 personnes, ça pique. C'est pas facile quand même. Hein. Mais il avait les chaussettes Superman. Non, mais c'était sympa. Hier matin, en gros, il y avait tous les experts, enfin tous les experts, peut-être pas tous, mais ceux du GIC, un paquet d'experts du GIC, qui ont présenté plein de choses. Il y a eu toi, il y a eu une Delphine aussi qu'on connaît bien, à qui on passe le bonjour aussi. Et donc, toute la matinée, c'était dédié au Mirage, en fait. Ouais, c'est ça. Tu nous as présenté quoi, toi? Alors moi, j'ai présenté un sujet qui me passionne. C'est comment gérer les faux rejets en production. Oui, ouais, vaste sujet. Ouais. Voilà. Ouais. Alban, allez, viens l'expert, débrouille-toi, j'en veux moins. En général, merci. C'est à cause de la maintenance, vibration, mandrin. Et du coup, on a présenté ça hier et aujourd'hui, petit atelier participatif, sympa, sur comment garantir de garder l'état validé d'un équipement en routine. Alors hier, c'était, en plénière, c'est-à-dire on était carrément dans l'amphi, c'est une conférence, hein. il y avait quelques questions à la fin, mais c'était essentiellement une présentation. Aujourd'hui, c'est une forme un peu différente. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment un atelier de travail. Donc on est une trentaine de personnes aujourd'hui avec ce sujet. Et puis quand on a monté l'atelier, on a voulu vraiment que ce soit participatif et non pas scolaire, à bourrer le mou sur tous les textes et autres. Et là, c'est super intéressant parce qu'on échange avec et les fournisseurs et les utilisateurs de machines. Et on voit que il y a des opposés, il y a des choses qui se font naturellement à l'identique. Et c'est ça, ouais, c'est super intéressant, c'est constructif. Bah oui, carrément. Allez, merci Alban. Non, en tout cas, il n'y a pas que le Mirage. Ça te dit? Allez, on y va. Un petit coup de surf, c'est parti. Est-ce qu'on irait chez JCE Biotechnologie? De quoi on va parler chez JCE Biotechnologie? C'est une belle machine là qu'on voit là. Alors ça, c'est un testeur de manchettes. Ça sert à détecter des trous éventuels dans des manchettes. Parce qu'on veut faire des liens aussi avec la réglementation à l'annexe 1, par exemple. On est avec l'annexe 1. Et là, vous imaginez les gens, on est sur un isolateur, par exemple, où on a des boîtes à gants pour aller intervenir à l'intérieur d'un isolateur. C'est des gants avec une matière en caoutchouc ou des choses dans le genre là, qu'il va falloir tester pour être sûr qu'il n'y a pas de trous dedans. Imaginez qu'il y a un isolateur avec des trous dans les gants. C'est moyen. Il n'y a plus grand intérêt d'avoir un isolateur. Évolution dans l'annexe 1. Et il y a deux, trois trucs. On est d'accord. On est d'accord. Hein, c'est marqué méthode robuste. Robuste, pour voilà. Les gants. Tout à et fait. Le terme robuste. Obligatoire, quoi. Tout voilà. Bien, déjà. Et voilà. Et contrôle visuel. On oublie. Comment ça marche? Alors, c'est comme une Switch. c'est un peu le principe. On a un système complètement mobile. On a un interrupteur, en fait. On vient connecter l'équipement sur l'isolateur. On a un joint gonflable qui va se gonfler tout le tour pour assurer l'étanchéité. Et ensuite, il y a un petit compresseur qui va gonfler la manchette. Voilà. On maintient une pression pendant quelques minutes et on regarde le delta P en début de test, en fin de test. Okay. Et ça nous donne un tout de suite. C'est super simple, votre truc. Mais c'est tout bête. Il y a quelques petites astuces quand même. On a une petite puce RFID qui permet de reconnaître la manchette testée. Donc si on a plusieurs manchettes, on sait laquelle on a testée. Le rapport est directement transféré à l'isolateur et qui génère un PDF. Oui, Data Integrity complètement compliant parce qu'on envoie tout directement sur les serveurs et voilà, on a la preuve du test. Mais c'est quoi ce... Ouais, alors ça, c'est quoi? Alors pas la boîte à bonbons. Ça, c'est des pastilles Vichy aussi. Hein. C'est typique de chez nous, ça. Ça j'en prends d'une, moi. Voilà. Je pense qu'elle est annexée une... Oui. Le but, ça va être de limiter les manipulations en fait, de l'utilisateur à l'intérieur de l'isolateur qui pourraient engendrer des risques particuliers. Donc sur celle-ci, donc on est sur une porte tout à fait standard. Et donc la particularité, c'est qu'on a mis un moteur. Ça permet de faire les manipulations qui d'habitude se font avec le gant pour l'ouverture, la fermeture. Là, c'est totalement automatique. L'intérêt, donc là, on a un accessoire qui est connecté de type conteneur, PE, transfert, assez basique. Mais l'application principale de cette porte, c'est plutôt pour des opérations de filling, pour alimenter en caps, notamment à l'aide des conteneurs souples, principalement, qui sont autoclavés ou gamma irradiés au préalable, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous nous préparez de bon, monsieur le président, là? J'ai l'impression qu'il doit y avoir quelque chose ici. Ah oui, il y a un truc là. Il y a, bon, comme d'habitude, la 3P, c'est toujours la convivialité et l'apéro. Et l'apéro. Beaucoup de gens sympas quand même. Beaucoup de gens sympas. Non, mais globalement, c'est vraiment cool. Hein. Il y a plein de trucs présents. C'est super intéressant. Puis les gens ne font pas prise de tête. Non. Ils sont là pour vendre des choses, etc. Mais ils savent aussi que on est là pour rigoler.
On est chez qui du coup? Parce qu'on a, on parle. On est chez Acteum. On est chez Acteum. Avec nos partenaires QBD Vision. Non, on est une société de conseil dans l'industrie de la santé. On est des consultants. On est une petite société, donc forcément on est agile et notre credo c'est un peu ce que vous faites. Hein. C'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Oui, donc, exactement. On est complètement d'accord. Exactement. Oui. Et on le fait bien. Donc l'idée, c'est de faire un outil de visite virtuelle en 300, avec des captures d'écran 360 dans lequel on a intégré des images en mouvement des équipements. Donc c'est un mix entre de la vidéo et de l'image virtuelle. Donc là, ça va charger, ça va arriver. Et l'objectif principal, c'est de pouvoir rendre accessible des zones de prod à des gens, d'y mettre des points d'intérêt, des procédures, d'y mettre du contenu pour que ça vive, pour faire de la formation. On prend des captures 360 chez eux. On met ça dans un espace web, donc c'est pas un logiciel, hein, c'est une page web, donc c'est et on peut même faire des équipements en images de synthèse pour pouvoir avoir la vision de ce que pourrait donner une ligne de prod, et on peut aussi intégrer des animations d'images de synthèse où on peut démonter, vue éclatée, faire de la maintenance. Pour de la formation, pour comprendre. Pour une investigation, pour tiens, on a un problème, bon, ça peut être quoi en mode brainstorming, exactement. En mode 5 pourquoi, etc. Ben, en fait, ouais. Parce que forcément, est formé. Les audits à distance, là, c'était un peu la saison dernièrement. Moi. Ah ouais. Mais ne se déplace pas quand même. Ah ouais, mais en fait, on est à l'intérieur de la machine, quoi. Enfin, là, on est dans la zone, quoi. Et donc, on se tourne. Ah ouais. Non mais c'est complètement génial, on peut se balader comme c'est si cadeau. On était... Ça c'est cadeau. Le téléphone ça, avec. Christophe. Le téléphone avec. C'est cool. Il file un iPhone à chaque mec. C'est ça, passe. On est très sympa chez Acteum. Acteum, c'est la moulaga dans tous les sens. Il faut combien de temps pour scanner ou filmer une zone? C'est assez rapide en fait. On va dire qu'il y a donc, un point de vue. Donc déjà, j'imagine. Pas forcément. On peut rentrer en zone en mode stérile. On a des boîtiers, les mêmes boîtiers pour aller sous l'eau pour la caméra. Donc ah ouais. On stérilise tout ça. Donc tu passes au VHP, j'imagine. Exactement. Ou... Ouais, exactement. Tout est possible. D'accord. On a des systèmes de fixation sur le trépied qui sont adaptés pour justement tout stériliser, qu'il n'y ait pas de trous, etc. On peut faire ça en in situ ou en arrêt technique. De temps en temps, l'arrêt technique, c'est quand même pas mal. Dans les petits coins. Voilà, exactement. Voilà. Puis c'est quand même plus pratique, ça fait moins peur, etc. Mais on peut le faire en toute confiance, en mode stérile. Et ça prend un point de vue, ça prend, je crois, 2 minutes. Donc, une ligne de prod, ça prend 2 heures. Un bâtiment, ça prend une demi-journée. Après, s'il faut filmer des gens sur fond vert, il faut prendre un peu plus de temps, etc. Mais en gros, une journée, on fait énormément de choses. Tout à l'heure, on a fait plein de tours de stand, on a parlé beaucoup de digitalisation. Et moi, ce que je trouve particulièrement, c'est que les outils de digitalisation sont de plus en plus utiles. Bon, bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est super, c'est vraiment intéressant. Merci d'être venu. On s'est fait alpaguer. Je suis venu vous voir pour vous remercier, pour dire que j'étais content. Non, merci bien, non, c'est cool. Non, vraiment, c'est cool. Run, get around. Alors nous, on a animé un atelier sur la simplification de la documentation et de la formation. Donc un atelier, c'est quoi? Il y a des animateurs. Donc, moi, j'ai la chance d'être avec Alexis, Jessica, Olivier de Symphonie. Et en fait, l'idée, c'est de faire travailler les gens ensemble, faire partager notre expérience, qu'ils aient envie le soir de repartir avec des idées, envie de le faire, qu'ils aient appris quelque chose. Et puis, qu'on ait du fun, que ce soit ludique aussi dans la journée. Je pense que ça, on l'a réussi aujourd'hui. C'est vrai, il y a eu des bonnes vannes, des bonnes blagues. Très bien, très bien. Alors, et déjà, ils savent faire des avions papier, parce qu'on leur a appris grâce à nos tutos à faire des avions papier, ça quand même, voilà. Et puis oui, des bonnes blagues comme tu les aimes. Ça fait plaisir. Et du coup, est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sans refaire l'atelier, comme on disait, mais ils ont travaillé sur quoi concrètement pendant cette journée? Parce qu'on l'a pas dit, mais l'atelier dure toute la journée, avec des pauses évidemment, mais ça dure toute la journée. Ils étaient une quarantaine, c'est ça? Une trentaine. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de concret ou qu'est-ce qu'ils ont pu appréhender dans cet atelier-là, à part des avions papier? Alexis. Quand on parle de simplification documentaire, on va leur apprendre à construire des kits learning pour expliquer le pourquoi aux gens. On va apprendre à revoir un petit peu comment ils écrivent leur SOP, leur procédure et leur mode opératoire avec justement les fameux tutos, les tutoriels vidéo avec lesquels on a pu faire ces avions en papier aujourd'hui. Alors oui, on est parti sur des tutos vidéo parce qu'il y avait une des idées de l'atelier aussi, c'était de se dire... Les procédures en papier,
Là, évidemment, Olivier va sauter sur l'occasion pour en parler. Les procédures en papier, des fois, il y en a beaucoup. Et là, l'idée, c'était de simplifier, que ce soit le plus utile et le plus pratique pour les gens qui utilisent ces procédures. C'est ça, en gros. C'est ça. Donc, en fait, on leur a démontré dans la journée qu'ils pouvaient couvrir, par exemple, toute l'activité de remplissage aseptique avec une procédure. Une seule procédure. Ça a dû faire drôle à certains, ça, non? Oui, ça les a un peu secoués. Et puis, à côté, on leur a expliqué sur voilà, comment faire un peu leur tutoriel vidéo. Effectivement, ils ont vu. Et donc, voilà, ils ont vu qu'ils n'avaient pas besoin de leur combien 34, 40, 50. Voilà, ils ont vu qu'ils n'avaient pas besoin de toutes ces procédures et que quand le truc était bien construit, eh ben, ça passe crème, quoi. Et vous avez des bons retours, du coup? Les gens, ils sont prêts à dégainer des choses dès lundi alors, chez... Oui, ils sont repartis avec plein d'idées. Ouais. Donc, l'idée, c'est ils ont envie d'y aller. Donc, maintenant, ils vont voir comment ils vont pouvoir chez eux le dégainer, en effet. Aussi, voilà, il y a des gens qui sont des mêmes groupes que nous. Donc, maintenant, ils savent qu'ils peuvent nous contacter. Parce qu'on a des super exemples concrets, ça marche, voilà. Et puis, on a des gens qui sont habitués à la 3P qui nous ont quand même dit que c'était un des meilleurs ateliers à 3P. Oh, félicitations. On va commencer l'année prochaine, voilà. Et là, il y a un truc qui a piqué notre curiosité, on va dire, et aussi parce que vous connaissez notre tonton François Caboulet. Et donc, François nous a dit, va voir ces petits gars-là, ils ont un truc sympa sur la réalité virtuelle. Vous connaissez avec Ludo notre côté un peu geek de tout ça. Et donc là, il y a Kevin qui nous a raconté comment on était capable de faire de la réalité virtuelle dans un environnement aseptique. Et je vais tester ça. Kevin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Atrion et de qu'est-ce que je vais faire là? Bien sûr, absolument. Alors Atrion, c'est un cabinet de conseil. On intervient aujourd'hui sur les enjeux de performance et de compliance de nos clients, mais surtout on intervient sur la transformation numérique. Et on sait ô combien la transformation numérique des industries, c'est aujourd'hui un enjeu majeur, surtout à l'ère post-Covid et surtout à l'ère de multisites distanciels, des sites à 6000 km. Et puis on est en 2022. Soyons très clairs, les geeks ont pris le pouvoir, il faut rentrer dans des sujets. Je reprends l'expression, c'est super. On permet de pouvoir s'immerger dans un environnement aseptique. C'est de minimiser les risques au travers d'embarquements, de formations, de visites virtuelles. Pour justement permettre la répétabilité d'un certain nombre de gestes, des gestes qui sont très techniques parfois, d'autres un peu moins, tu verras, quand on nettoie un mur, y a un sens. Ah oui. Mais nettoyer un mur, c'est quand même important. Il y a des habilitations pour nettoyer les classés, enfin on le sait, il y a un sens, on commence pas par le bas et puis on y va comme des fleurs, il y a tout un... Ça s'habilite aussi ces choses-là. C'est ça. Voilà. J'adore cette scène. Tu m'étonnes. Avance avec ton joystick si tu as besoin que virtuellement tu te rapproches du mur. Je suis extrêmement déçu qu'on soit pas en live. Tu m'étonnes. cette scène en live, voilà. C'est bon, j'ai nettoyé mon mur. Voilà. Eh oh. Il te demande de récupérer ta wipe. Oh, mais j'ai laissé traîner ma wipe. Voilà. Récupère-la. C'est bon. La remets dans le seau. Ah, je vais la remettre dans le seau, pas de problème. C'est bon, j'ai géré. Super. Hop. Voilà. Maintenant, il te demande de te diriger vers l'isolateur. Ah ouais, là, ça va être un peu autre chose, quoi. Reviens dans ta zone. C'est génial, le truc, quoi. Super. Donc là, je vais à l'isolateur. Là, tu vas pouvoir mettre tes deux mains dans l'isolateur. Voilà. Je mets bien. Voilà, et il va te demander d'aller chercher, d'ouvrir la trappe à ta droite. Tu as un petit truc bleu, là. Ouais. Voilà, tu vas prendre et tu vas l'ouvrir comme si c'était une porte, le même geste. Voilà. Wow, c'est carrément génial. Jusqu'au bout. Quand c'est ouvert, ça veut dire que c'est fait. Et tu vas le placer en zone verte. Super. Maintenant, il va te demander le deuxième module qui est de nouveau dans la trappe sur ta droite. Ah ouais, carrément. Oh, mais... Tu prends le deuxième module, tu le repositionnes, tu l'ouvres, tu récupères la needle, tu la positionnes. Oh, c'est génial. Voilà. Et là, il va te demander le même geste de twirling pour refermer. Ah ouais. La pochette, il est là sur le côté. D'ici là. Non mais c'est un truc de ouf. Hein. Ah ouais, alors là pour enclencher la vidéo, tu vas prendre ta main gauche. Ouais. Et tu vas faire comme si tu regardais ta montre. Tu vas voir une montre, il faut que. Il y a marqué menu. Voilà, tu appuies dessus. Wow. Voilà. Ah ouais, d'accord.
Et là... Ah, il déclenche une vidéo, mais je crois que j'ai skippé la vidéo. T'as skippé la vidéo et donc du coup, t'as fini le module de formation. Félicitations, Christophe. Bravo, tu es habilité à travailler sous isolateur. Pas sûr. Moi, je tenterai un deuxième coup quand même. On va dire faut trois runs. Pour valider, faut trois runs, ouais. C'est clair. Je te récupère les... Ouais, carrément. Tiens. Les deux... C'est complètement hallucinant. Alors, respire avant de... Respire bien. Pour être bien sûr que... Oh, Ludo! Ouais, tu m'as mis, en fait, t'as pas déplacé. Je suis à l'autre bout du truc. C'est ça, je suis sur la plage de la Biarritz. Eh ben, c'est super, super impressionnant. Parce que tu te déplaces comme si c'était en vrai, quoi. Donc, ouais, j'imagine pour des gestes techniques ou des trucs précis et tout ça. Alors, il faut imaginer, c'est génial, quoi. Quand même, que là, on est dans une petite zone. Donc, on a. Oui, des c'est difficultés ça aussi, ouais. Ouais, bien sûr. Demain, dans le tiers-lieu d'expérimentation que l'on a, on a une salle qui est complètement dédiée à ça. Ouais. Donc, en fait, on a 20 mètres carrés où on peut. Interagir comme ça, et il faut imaginer qu'on sera full wifi sans fil. Mais merci de nous avoir accueillis sur le stand en direct de l'A3P. Et Kevin nous connaît en plus. Bah, et Kevin nous connaît, donc évidemment. Je suis sur Twitch. Mais ouais, merci. Faites comme Kevin, abonnez-vous. C'est un geek aussi. Voilà, suivez-nous sur Twitch et abonnez-vous sur YouTube. Les geeks ont pris le pouvoir. On est d'accord. Voilà, on reste là-dessus. Oui, donc les amis, vous connaissez mon petit problème avec le dossier électronique. Et quand on avait fait le live sur la digitalisation, on avait dit le premier watchdog qui sera contrôlé à la voix, je serai fan. Et puis ben, en se baladant dans les stands de la 3P, on est tombé sur Salamander U, entreprise belge, qui fait un dossier de l'électronique contrôlé par la voix. Ah, vous ne pouvez pas être plus heureux là. C'est génial, c'est génial. Mon rêve. Welcome to Candy Box. Salamander, we welcome you to the candy box machine. We would like to show in a funny mode how SmartReg is user-friendly and how it can help you in your daily process. Okay. Would you like to make a box made with a mix of color? Yes. Yes. Okay. Take an empty box and put it on the scale. Say okay when you finish the task. Okay. Scan the barcode of black candy. Ouais, je suis le mec qui se trompe pas. Hein. Allez, c'est fait sur le Candies and say done when you finish the task. Ok. Vous mettrez. Ah, oui. Ah pardon. Heureusement qu'il faisait pas le mauvais. C'est ça. Qu'est-ce que ça aurait été, ouais. C'est ça. Retourne à l'école. Ça n'est pas possible. Ok. The weight of the black candies is 13.1 grams. Je confirme. Scan the barcode of the yellow candies. Il faut tenir en compte qu'il y a du bruit. Take three yellow candies and say done when you finish the task. Il faut garder en tête que normalement vous avez un casque. Donc, oui, bien sûr. Il n'y a pas toutes ces nuisances. L'opérateur a bouffé un danger. The weight of the yellow candies is 12.6 grams. Scan the barcode of the red candies. Take three red candies and say done when you finish the task. Okay. Scale stabilization. The weight of the red candies is 12.4 grams. The total weight of the box is 38.1 grams. Comme vous remarquez ici, on a demandé à ce que le système fasse le calcul. Il a calculé la somme, il a fait la somme des trois. Voilà, imaginons que vous avez un process où il faut un pourcentage, des choses comme ça, et que l'opérateur peut se trouver. Ici, le système le fait automatiquement. Par exemple, imaginons que cette donnée-là était importante pour la suite du process. Ici, elle peut être validée par un QA, ou peu importe. Ou cet échantillon, on peut aller au QC. Le QC fait son analyse, donne, parce qu'il a aussi SmartReg au QC, il donne la valeur via SmartReg directement, ça développe ici et l'opérateur peut continuer. Donc, super. Le système connecte et ce n'est pas un prototype, il existe déjà. Je vous dis, on travaille avec des grands. Donc, on ne vend pas du rêve, c'est vraiment réel. Ouais, c'est réel. Ah, mais c'est bien. C'est réel et c'est éprouvé et approuvé. Bon, il va te réconcilier avec les dossiers de l'électronique. Moi, je voulais voir ça une fois dans ma vie. Hein. Merci, monsieur. Moi, je voyais le dossier de l'électronique. Là, clairement, la barrière de « je me connecte, je délogue Windows, je me connecte, je note, je re-signe, je reverrouille Windows, etc. » J'ai un PC sur une ligne avec trois opérateurs qui sont en train de quitter leur ligne. Là, ils sont à leur poste, ils restent et ça va tout aussi vite au final que le papier stylo. Là, on compare
un téléphone Android ou une autre marque avec une pomme à un Nokia 3310 hein, oh, avec ouais. le Snake. Mais oui, c'est ça, ouais. Complètement différent. Ouais, le Snake est dédragé, c'est bien ça, tout va bien. Il n'y a pas aussi le manque d'informations parce que directement, voilà. Et la standardisation. L'achète. Oui. Il ne part pas sur un facteur. Hey, ladies and gentlemen.